Et salut tout le monde, c'est Dalia, on se retrouve pour le 10e épisode de Pokémon Donjon Mystère, Explorateur du Ciel, en random. Et oui, et comme vous le savez, aujourd'hui, c'est l'expédition. Enfin, l'heure est venue, je vais annoncer les noms des membres de l'expédition. Et oui, l'expédition. Maître, la liste, je vous prie. Gros Doudou donne à Pijako la liste sur laquelle sont notés les noms des membres qui participeront à l'expédition. Alors, est-ce que nous avons assez fait d'efforts? Eh bien purée, c'est le matin, je me réveille, mais faut y aller là. Les noms des membres choisis sont notés sur cette liste. Oui, bah oui. À l'annonce de votre nom, avancez de quelques pas. Oh, ça y est, c'est le grand moment. Bah mince alors, je suis trop nerveuse. Ah, c'était une fille, Eliatron. D'accord. Sapristi, j'ai le cœur qui bat à toute vitesse. Sans plus attendre, voici les heureux élus. Et salut, ZZ. Le premier membre, Ramboum. Ouais, j'ai réussi. Mais bon, après tout, c'était évident que j'allais être choisi. Youhou! Ouais, c'est toi qui le dis. Vantard, ouais. Il veut nous faire croire qu'il n'était pas du tout nerveux, mais bien sûr. Le suivant est... Écrapince! Ça péripopince! J'ai réussi, j'ai été choisi, dis donc. Waouh, quel soulagement. Merci pour le follow, ZZ. Ouais, ça va. Ensuite, tiens donc. Eh bien, quelle surprise! Le membre suivant est Quenotor! Vraiment, vrai de vrai, sapristi, moi, faire partie de l'expédition. Pardon, il y a un problème, Connotor. Allez, avance un peu. Arf, ben, je vais avancer, bien pour sûr, mais je suis tellement ému que mes pattes veulent pas bouger. Bah, soit, peu importe, continuez. Ensuite, nous avons choisi Eliatron et Eoko. Oh, nous aussi. Eh oui, vous aussi. J'en crois pas mes pétales. Putain, pourquoi j'allais dire pédale? On s'en fout. Génial, trop cool. Voici. Et voilà, les membres de l'expédition étaient nommés. Arg. Gagnagna, on dirait que les mauviettes sont hors jeu. Ça leur fera les pieds. Marf marf, ça leur apprendra. Voilà, c'est tout ce qui concerne les membres de l'expédition. Tiens donc. Il y a des gribouillis dans la marge de la liste. L'écriture du maître est vraiment illisible. De vraies pattes de mouche. Oups, si je dis ça à voix haute, ça a bardé pour moi. Mon vieux se taire. Évitons les prises de bec. Les prises de bec. Alors, apparemment l'expédition comportera aussi d'autres membres. Il s'agit de Topicker, Treopicker et Cradopo. Et aussi Dr. C et Dalia. C'est tout. Attendez une minute, quoi? 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 Maître, on dirait que cette liste inclut tous les membres de la guilde. Yep, c'est exact. Eh ben, tout le processus de sélection a donc été vain. De plus, si nous partons tous, les locaux de la guilde seront vides. Êtes-vous sûr que ça ira si personne ne reste ici pour surveiller la guilde? Tout ira bien, nous fermons tout à clé. Maître, j'ai aussi quelques craintes à formuler. Ne croyez-vous pas qu'il y ait trop de membres pour cette expédition? Qu'un ami me pose une telle question, ça m'interpelle forcément. Que veux-tu dire? Premièrement, pourquoi faut-il absolument que tout le monde vienne avec nous? Ça ne sert strictement à rien de les faire tous participer. Hein? Mais bien sûr que si, ça sert à quelque chose. Ben oui, si tout le monde vient, ça sera plus rigolo, par vrai. Quoi? On va faire la fête. On va bien rigoler. Quand j'ai eu cette idée, j'étais si excité que je n'arrivais plus à dormir. Quoi? C'est comme ça, tout le monde, on part tous en expédition et ça va être rigolo, rigolo, rigolo! Donnons le meilleur de nous-mêmes. Oui, hurrah! Ouais, trop bien! Eh bien, c'est décidé. Bien, voici votre emploi du temps. Juste après, je vous parlerai des détails de l'expédition. Ainsi, les membres choisis, c'est-à-dire tout le monde, devront se préparer pour partir en expédition. Cette expédition est exclusive à la guilde.
Vous ne pouvez pas emmener de coéquipier. Ah, on peut pas emmener de coéquipier. D'accord. Vous ne pouvez donc pas ajouter de coéquipier du rassemblement Yoko. Ok. Gardez cette règle en tête lors de vos préparatifs. Quand vous voudrez partir, revenez ici. Une fois vos préparatifs terminés, faites-le-moi savoir. C'est tout. On peut... Donc on va devoir enlever les membres en trop. Je suis trop contente. Je ne sais pas ce qui me retient de hurler de joie. Nous faisons tous partie de l'expédition. Notre maître nous a refait le coup. Je suis tout ému, toute guillerette. Je ne pensais pas que nous en ferions partie. Quelle surprise! Je suis content que nous n'ayons pas abandonné. Bah ouais. Eh, hey, dis donc. Sniff s'apprécie. Je suis hyper content qu'il m'ait accepté pour l'expédition. Je vais brûler par terre. Oh, mais pas seulement moi. Tout le monde va y aller. Sniff, je crois que je rêve. Je suis vachement ému. Sniff, sniff. Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Quoi qu'il en soit, comme nous y allons tous, cela veut dire que nous allons tous être mis à l'épreuve. Je suggère donc que nous, les apprentis, travaillons main dans la main. Et assurons-nous que l'expédition soit un succès. Oui, youpi, je suis bien d'accord, ça va être hyper génial. Ouais, ça va être super. Faisons de notre mieux. Sniff, unissons nos efforts et nous y arriverons. D'accord. Eh oui, ce jeu théâtral. La fédération des coéquipiers. Quoi? Waouh, mon gars, j'ai un sac plus grand. Qu'est-ce que tu vas faire? Bien. Alors, nous devons retirer les membres en plus avec Eoko. Oui, oui, oui. Alors, membres. Alors, Omar. Écarté. Ok, Omar va quitter la liste. Voilà. Oui, Clochette aussi. Voilà, Clochette. Allez. Bye. Voilà, bye. Faut descendre. On descend. Et, je crois qu'il faut parler à Pijako tout simplement. Ça y est, vous avez préparé vos préparatifs pour l'expédition? L'expédition sera un long voyage. Vous devriez prendre le maximum d'objets avec vous. Avez-vous tout ce qu'il vous faut? Ah, ah non, quoi, pas encore. Remuez-vous. Oui, 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 oui. Ah, eh, tais-toi, hein. Tais-toi. Non, pas équipe. Non, pas retour. Objet. Bon, on va passer à la réserve, hein, du coup. Je sais pas combien de temps ça dure. Salut Damien. Banana. Wow. Petit lag. Non, en fait, non, c'est pas un lag. Hein, on part en expédition, ouais. Alors, ah oui, mais non, attends. Avant de retirer, il faut déposer parce qu'on a plein... On a plein de merde en fait. Genre ça, genre ça. Pétrigrain, ça peut être intéressant, mais ça non. Soigne de l'empoisonnement, non. Concentre-orbe, non. Explograin, non. Explograin, non. Radar orbe, non. Le turban, c'est bon. Explograin, non. Ok. Oui. Maintenant, on retire. Alors. Ah oui, d'accord, les objets sont disposés ainsi. On va prendre des résugraines, du coup. On va prendre un max élixir au cas où. J'ai pas des pommes. Tout connement en fait. Ah non. Bon, bien. Ouais, on va prendre ça et puis tout. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Allez, barre-toi. Salut, Smasher. Alors, go. Non, c'est Pokémon Explorateur du ciel. En random. Alors,
Pijako. Ça y est, vous avez terminé vos préparatifs, l'expédition sera un long voyage. Oui. Au fait, au cas où vous l'auriez oublié, vous n'avez pas le droit d'emmener de coéquipiers. Oui. Bien, vous avez apparemment fini vos préparatifs. Quand les autres apprentis seront là, je commencerai la réunion. Attendez ici. Oui, on dirait que tout le monde est là. Bien, je vais donc vous expliquer le déroulement de l'expédition. Alors, premièrement, l'objectif, l'exploration du lac des brumes. Le lac des brumes. Exact, on raconte que ce lac se trouve loin à l'est. En outre, il est perpétuellement enveloppé dans un brouillard dense. De ce fait, son existence n'a jamais été confirmée. Tel un mirage nimbé de brume, cet endroit ne serait donc qu'une légende. On raconte aussi qu'il recèle un trésor d'une indicible beauté. Eh oui. Waouh, un trésor. On part à la chasse au trésor, je brûle d'impatience. Yep, ça va être rigolo, rigolo, rigolo. Waouh. Tu l'as dit, Buffy. Gnark, gnark. Alors, ouvrez tous votre carte miracle, s'il vous plaît. Tout d'abord, on dit que c'est là que se situe le lac des brumes. Ah ouais, c'est loin quand même. Comme c'est un territoire inexploré, la région est recouverte de nuages. Très bien. Notre guilde se trouve ici. On pourrait faire juste à côté, hein, il y a des nuages aussi. Hein. Comme vous pouvez le voyez, le lac est à une distance considérable de la guilde. Oui, bah ouais. Effectivement. Par conséquent, nous ferons une halte au pied de ces plateaux. Nous y établirons notre camp de base. Mais si nous faisons le voyage coupé jusqu'au camp de base, notre mobilité sera restreinte. La stratégie consiste donc à se diviser en petits groupes pour voyager jusqu'au camp de base. Ok. Voici la répartition des groupes. Le premier groupe est constitué de Topiker, Eliatron, Ramboum et Cradopo. Ok. Eh hey, les gars, vous n'avez pas intérêt à traîner, compris? Non mais tu t'es vu? Tu es mal placé pour nous faire un moral? Lui alors? Il me fait halluciner quoi. Putain, c'est Nabila dans Pokémon quoi, Eliatron. Le deuxième groupe se compose de Triopiker, Ioko et Crapince. Nous formons un bon groupe. Je promets de faire de mon mieux. Allez donc, moi aussi. Voyons voir. Le maître et moi-même, nous allons voyager ensemble, si cela vous convient, maître. Hein? Je dois me coltiner Pijako? Oh là là, c'est pas vrai, on va s'ennuyer comme c'est pas permis. S'il vous plaît, ne faites pas votre difficile. C'est un élément clé de notre stratégie. Méchant. Nos invités de l'équipe Crâne voyageront indépendamment et formeront leur propre groupe. Compris, Quintanier. Et le dernier groupe est constitué de Connotor d'Alia et Docteur C du coup. On est dans le même groupe, j'espère que je serai à la hauteur. Wop wop. Ah, moi aussi, Connotor. Et alors? Vous tous, allons-y, mettons-nous en route. Ouah! Ouais! Et c'est ainsi que débuta l'expédition de la guilde. Chacun partit vers le lac des brumes. Comme prévu, l'expédition fut divisée en groupes. Le groupe de Dahlia, Docteur C et Connotor convint d'un itinéraire. Le groupe suivit un chemin le long de la côte afin de rejoindre le camp de la base. De base. Et. Non, j'ai dit non. Bon, c'est pas grave. Chapitre 7, la grande expédition de la guilde. Oh, sympa la musique. Ça y est, on est des explorateurs maintenant. Waouh, la mer est par là, Dahlia. Regarde cette falaise. Ouais, ça ressemble de plus en plus à une vraie explosion, pour sûr. Ça va sûrement commencer à se corser, les vrais supporters, ils adorent ça. Eh ça, ce machin-là, c'est un truc bien connu de nous tous, explorateurs. C'est une statue Kangourex. Une statue Kangourex. Donc je me suis cassé les couilles à aller à voir Kangourex alors qu'il y avait une statue Kangourex juste là. Pour sûr, t'as bien entendu, c'est une statue Kangourex. Une statue Kangourex, ça sert à déposer des objets dans la réserve et en retirer, et aussi à sauvegarder ton aventure. C'est une aide vachement précieuse pour les aventuriers comme nous. Bon, en même temps, on peut pas dire que j'en ai déjà utilisé des tas des statues Kangourex. Je peux pas vraiment me vanter. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est ma première expédition. Alors, je suis un chouïa nerveux, pardi. Ah, nous aussi, c'est notre première fois, tous les trois. Faisons de notre mieux. Jetons un coup d'œil sur la carte miracle. Nous sommes ici. Ah, mais on est encore loin. Hein.
Le camp de base est là, c'est là que nous retrouverons les autres. Pour voyager, nous devons donc essayer d'arriver jusqu'ici. Rejoindre cet endroit est notre premier objectif, d'accord? Ouais, je suis d'accord. Ah, t'inquiète pas, j'ai déjà fini ce machin. Là, je le refais pour la chaîne YouTube, du coup. Coucou YouTube. Et je le fais en random. Puisque si t'as remarqué, je suis un électrode, ce qui est impossible. Dans l'aventure en tout cas, et mon coéquipier est un mystibule, ce qui est également impossible. Dirige les opérations, je n'avais jamais remarqué ça avant. C'est sûrement la joie de faire partie de l'expédition qui lui donne des ailes. Et Dr. C, qui était si timide avant, fait tant d'efforts. Oui, petit à petit, Dr. C s'améliore. Elle prend confiance. Ah, elle prend la confiance. Attention. Quoi, quoi? Hein, un problème? Regarde bien, il y a deux entrées ici. Hein? Mais c'est vachement embêtant ça. Qu'est-ce qu'on fait Dahlia? On prend quel chemin? Par la côte escarpée ou le chemin lisière? Eh bien, comme dans Pokémon équipe de secours, si nous prenons le chemin qui semble plus facile, eh bien nous faisons un demi-tour. Donc go par la côte escarpée. Y'a Mega Mistibule ou pas? Bah non, c'est limité à la côte, c'est limité à la 4G. Il n'y a pas les mégas, bien sûr. D'accord, passons par un côté escarpé. D'accord, alors. C'est pas le dernier jeu, celui-ci. Hein. C'est parti, à 3, on va y arriver. Alors. Un petit Krabi. On va lui faire un rayon signal. Il a quoi, notre Konotor, là? On sait pas. On peut pas voir les capacités qu'il a. Ah, dommage. Ce qui nous appartient pas. Sport. Ok. Non, 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 non. Stop. Voilà. C'est un tritosaure. Il est mort. Ouais, le caillou, par contre... Hop, petit escalier. Le point météore. Ah, il y a une boîte. Ah ouais, par contre, il faut les clés aussi. Putain, mais il est tellement cheaté, Mistibule. Mais, arrête de rater. Hein. Merci. Alors. Ah, une graine. Une pétri-graine, si j'ai eu le temps de lire. Il me semble que c'est ça. Oh bah, go. Là du coup on va pas pouvoir recruter de personnes. Bon tant pis. Allez, hop. Ouais ben. Ma chance légendaire est toujours avec nous. Hein. Je trouve les escaliers très rapidement. Ouais, c'est maintenant que tu fais sport, toi. Boule armure. Nul à chier. Ah bah oui, il faut gérer son estomac. Là, je sais pas combien d'étages fait ce donjon. Mais bon. Nous verrons bien. Rayon chargé. Oui, c'est bien, j'ai absorbe volt. Allez, hop, bye. Escalier. Non, on va le laisser dormir. Elle est sympa la musique. Une guérigraine, eh bien pourquoi pas. Ah bah directement, escalier mon gars. Il doit faire 13 étages. Ah bah très bien. On y est bientôt alors. Plus
que 6 étages. Après, il y a plusieurs donjons à effectuer ensemble. Enfin, d'affilée, quoi. Hop, celui-là, on va le donner à manger à Dr. C. Ok. Bon. Il ne gagne pas de capacité, tant pis. Ouais, je vais faire construction. Coup de corne. T'as pas de corne. Comment tu fais ta corne? Hein? Ouais. Voyons, signal. Construction. Hop. Ah bah une pomme, tiens. Très très bien. Je l'ai raté. Merci Urion Storm pour le follow. Ah par contre là. Et ZZ aussi, du coup. Merci pour le follow. Cul-de-sac. Dommage. Ok. Il a one-shot le Goelize. Dans le plus grand des calmes. En fait, je pense que le Connotor n'est pas random. Ça doit être... Ok. Bon. Ça doit être parce que, bah... ces données sont... ne sont pas... comment dire... dans les données Pokémon, mais du coup dans les données fixes du jeu. Merci Smasher pour le follow aussi. Hop. Salut Flamme Noire. Avec ses dents. Alors, objet, max élixir, très bien. Ah bah. Ok. Piu, Strapatry, on est enfin arrivé. Ouais, mais on est encore loin de du camp de base. Jetons un coup d'œil sur la carte miracle. Merci Pika pour le follow. Maintenant nous sommes ici. Le camp de base est là. Ok. Ok, ok. On s'est pas mal rapproché. On y est presque. Il ne manque plus qu'à traverser cette montagne pour arriver au camp de base. Oh, il a faim. Oups, c'est mon estomac qui gargouille. Ah bah tout le monde. Ah, nous aussi. Si on commence à escalader cette montagne maintenant, il fera sûrement nuit avant qu'on ait fini. On en a assez fait pour aujourd'hui. Eh bien, on devrait se reposer ici cette nuit. Je suis bien d'accord, tiens. On mange. You. Le lendemain matin. Allez les amis, il faut qu'on parte. Oui. Oui mais non. On traverse cette montagne et on est en camp de base, ouais. Allons-y. Oui, mais non. Parce que ce 10e épisode va s'arrêter maintenant. Et la suite, eh bien au prochain, nous sauvegardons. Et je vous retrouve du coup dans le 11e épisode de Pokémon Donjon Explorateur du Ciel en random. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Cette fois-ci, l'aventure commence à avancer d'un grand pas et c'est plutôt bien parce que avant ça stagnait pas mal. Je suis plutôt content. Des bisous tout le monde, bye bye.